du système colonial, mais international, que le christianisme. Et enfin, à placer au monde un nouvel ordre mondial. Acteur de relations internationales par rapport au rôle joué, un rôle sans précédent. Mais pourquoi il est acteur international, les relations internationales? Cette question, on me la pose souvent. En quoi il l'est? C'est simple, c'est parce que ce message, ces enseignements sont allés au-delà de nos frontières, comme il a sa question, mais en quoi il est spécial? Il est spécial parce que ce qu'il a fait, personne ne l'a fait, à moins que tu sois Jésus-Christ. Et pas n'importe quel Jésus-Christ de Nazareth, oui. C'est là que nous avons pu présenter Papa Simon Kimbangu pour que nous puissions le situer, mieux le comprendre depuis avant la période précoloniale, coloniale et post-coloniale. Merci, monsieur le journaliste. Ok. Alors, nous allons continuer avec Télé-Congo, cette fois-ci, avec nos amis de Studio 210. Alors, nous invitons monsieur Jav à venir poser ses questions. Merci beaucoup. Respect à son éminence, le représentant des gars de l'église Kimbangu. Sa divinité, s'il vous plaît. Et merci aussi au professeur docteur Bitouvouidi Kanda Mizako. Et en parlant justement du thème, Papa Simon Kimbangu, acteur spécial des relations internationales, j'ai quelques questions en réalité que je vais résumer en une, puisque c'est ce qui nous a été recommandé. Concrètement, parlons de cet impact. Voilà. Concrètement, en parlant de l'impact de Papa Simon Kimbangu dans les relations internationales, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est cet impact-là? Lorsqu'on sait que c'est Victor Schœlcher qui est à la base de la décolonisation en Afrique. Lorsqu'on sait que c'est Martin Luther King, Rosa Parks, qui ont été à la base de la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, par exemple. Mais à la fois aujourd'hui, on nous parle aussi du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on parle des États africains, sont encore enchaînés, etc. Et jusque-là, moi, je ne comprends pas le rôle que Papa Simon Kimbangu a joué dans ce sens-là. Il nous a aussi été dit que, puisqu'on parle de la période coloniale ou la période pré-coloniale, que le vrai Simon Kimbangu,
Le vrai papa, c'est moi qui m'envoie. Le vrai prophète, papa, c'est moi qui m'envoie. Il est de la lignée de Kilpa Vita. Et aujourd'hui, on nous dit aussi, selon l'histoire, puisque nous ne sommes pas nés à cette époque-là, que le kimbanguisme est une fabrication, une contrefaçon des Belges, des colons, par rapport à la véritable doctrine de papa Simon Kimbangu. Et lorsque je dis ceci, je me dis, lorsque je passe là, devant l'église, on écrit, Église de Jésus-Christ, voilà, donc le kimbanguisme est lié à Simon Kimbangu. Or, on nous dit que Jésus-Christ nous a été, c'est dit que c'est un produit colonial. Lorsque les missionnaires sont venus, ils sont venus avec Jésus-Christ, ils sont venus avec le christianisme. En fait, j'aimerais comprendre justement autour de ces questions, quel est le véritable apport de papa Simon Kimbangu. Merci. Beaucoup de matière. Ah oui. Nous avons, lors de notre défense, parlé des périodes. Des périodes pour mieux comprendre et saisir, comme je viens de le dire, le rôle, la mission, la place de papa Simon Kimbangu, son impact dans la société, selon les domaines. La période précoloniale, comme nous le savons tous, est dominé par deux feux. Le premier, c'est la traite négrière, c'est-à-dire l'homme noir transformé en marchandise. Et le deuxième fait, c'est la création de la charte de l'impérialisme américain. La période précoloniale, par le commerce triangulaire, nous avons dit, avait déraciné l'Afrique. C'était le pillage, l'anarchie, le désordre en Afrique. L'Afrique était bafouée. Les valeurs africaines étaient hypothéquées. Mais nous avons aussi attiré l'attention à cette période-là. Physiquement, celui-là n'était pas présent, mais il a existé. C'est comme un jour, il dira à son père, alors qu'il avait moins de 5 ans, parce qu'il est resté orphelin de père à l'âge de 5 ans. C'est un soir, il va communiquer, après le repas du soir, il va dire à son père, devant ses amis, devant les amis de son père, que papa, je vois que tu étais content parce que je vous ai rendu de bons services.
Et j'ai ramassé toutes les assiettes. Et je suis allé remettre ça là où ça revenait. Mais je vais vous dire une chose. Avant que toi tu sois né, moi j'existais. Alors son père, est-ce que c'est un rêve, mon fils? Il a 4 ans. Mais il dit que Dieu existait avant ma naissance. Et c'est comme cela que maman qui va vite encore. Maman Kimpavita dans notre travail n'est pas égal à Papa Simon Kimba. Maman Kimpavita a joué un rôle comme l'avait joué Jean-Baptiste. Elle avait annoncé plutôt l'arrivée d'un libérateur. Il sera né au nord de l'Angola, dans le Congo Bangu. La géographie d'hier, Congo Bangu, c'est ça les cataractes aujourd'hui. Si vous allez en Kamba, c'est ça les Congo-Bangu. Hier, le territoire, plutôt le secteur de Dimanche, où Kambe sa juridiction, était le secteur de Congo-Bangu. Maman Kimpavita, sa mission était limitée par rapport à la mission de Papa Simon Kimba. Martin Luther King, comme j'avais dit ça la fois passée, le panafricanisme était aussi développé avant que Papa Simon Kimba puisse en faire son affaire à l'étranger. C'est le cas de Londres vers 1800 et vers 1900. À Paris, ils ont beaucoup plus parlé de l'esclavagisme, du colonialisme. Mais un pana aliéné. Pourquoi aliéné? C'est parce que elle était géré par des idéologies occidentales. Ils n'étaient pas libres. Tout tournait de l'esclavagisme et de la colonisation. Alors nous avons nuancé en ce sens que Papa Simon Kimba, il a parlé de l'État, le Pana, l'État d'Afrique. Son Afrique. Martin Luther, sa lutte était cantonnée sur le racisme. Ce qui s'est passé aux Issa. Par contre, Papa Simon Kimba aussi, comme je venais de le dire, a renversé
a renversé, a mis en danger, c'est-à-dire la période coloniale qui est précédée par la période précoloniale. Va connaître ce que nous appelons dominé par la conférence de Berlin. Berlin, 1884-85, qui est le résultat de la gymnastique du roi Léopold II, roi des Belges, comme je l'avais dit, et que ce dernier, la Belgique, qui n'avait pas de colonie, les rois soucieux, d'abord stratège, génie, intelligent et enfin friqué. Il avait hérité de ses parents et grands-parents, cousins presque à tous les monarques européens. Sa position l'a permis de convaincre son oncle Bismarck qui à l'époque était un grand chancelier puissant, charismatique autour de lui. L'Allemagne, comme le joue aujourd'hui, rôle qu'il a joué comme ce que font les Américains aujourd'hui en Europe, le continent européen, diplomatiquement, était un pays très puissant. Il a organisé plusieurs fois des réunions et des congrès. Et finalement, il va convoquer une grande conférence historique, parce que nous en parlons jusqu'à aujourd'hui. Conférence autour du Congo, là où nous sommes, le Congo, à l'époque avec K, pas avec C. Avant que le partage soit effectif, c'est-à-dire c'est du Congo que l'Afrique doit être partagée. C'est-à-dire qu'il est la raison principale de ce partage de son aliénation, son exploitation et la domination du monde. Les conséquences de cette conférence, nous les connaissons. Les autres, c'était la colonisation. Les autres, et lui, le roi Léopold II, c'était une affaire privée, une propriété privée du Congo. Affaire, j'allais dire. À cause de leur rivalité, les intérêts égoïstes, comme toujours. Et parce que la politique à l'époque, c'est pas comme nous sommes organisés aujourd'hui. Les relations internationales d'hier sont très différentes d'aujourd'hui. La politique des alliances, qui était la politique négative, cela a eu comme conséquence l'éclatement d'une situation que le monde n'a jamais connue. Cette conférence, qui doit être infiltrée par
la charte de l'impérialisme américain sans que l'Europe comprenne ce que pensaient les Américains, mais présents là-bas, présents pas comme participants, mais présents comme observateurs, parce qu'il y a un enjeu là-bas. Cet enjeu majeur, comme nous l'avons dit, le Congo, c'est-à-dire le bassin du Congo, océan. Et comme c'était le début de l'ère coloniale et la politique de l'expansion, et c'était l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Le monde est en deuil. Il y a de l'insécurité. Il y a de l'instabilité. Même ceux-là qui sont venus coloniser, même les colonisés, pas seulement en Afrique, un peu partout. C'est la désolation. Et ça a entraîné des maladies, des épidémies. Bref, le chaos. C'est en ce moment précis que va apparaître ce personnage, cet oiseau rare, Papa Simon Kimbangu, pour intervenir. Et c'est grâce à son avènement en 1921, le 6 avril, avènement parce qu'il y a la guerre, parce que l'homme noir, l'Afrique est pillée, déstabilisée, le monde est en deuil, le monde est en difficulté. 2 ans après, la visite de Jésus-Christ, qui n'est pas celui de Rome, comme je l'avais dit, mais de Nazareth, avec comme ordre, comme j'ai suivi la prière du révérend, de sauver les morts, parce que nous sommes en difficulté. Ce n'est pas seulement en Afrique. L'homme est en difficulté. Et c'est le 6 avril, comme l'avait dit le président Son Excellence, Tshisekedi Tshilombo, en Kamba, un discours longtemps attendu. Des milliers de gens, depuis nos indépendances nominales, les Kimbanguistes et sympathisants Kimbanguistes voulaient à tout prix, par le premier président Kasavubu, en RD Congo, le président Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila, était le souhait de tout le monde que ce jour-là soit en honneur, puisse être en honneur, ne fût-ce que la reconnaissance. Heureusement, un siècle
juste le 6 avril 2021, c'est-à-dire la date anniversaire, enfin, le président de la RD Congo officiellement déclare ce grand jour historique férié, sommet et payé en RD Congo. Je disais donc, le rôle que Papa Simo Kimbangu a joué, rôle sans dans la vie des relations internationales, dans l'histoire des relations internationales, d'autant plus que la vision du monde, il a changé le cours de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire de l'Afrique, mais de la RDC, mais du bassin, mais du monde. Il a changé, il a bouleversé le monde. C'est-à-dire, il a mis en danger les fondements, le système international, colonial. Et enfin, l'ordre nouveau a vu le jour, c'est-à-dire après l'ordre catholique, l'ordre islamique, et Papa Simon Kimbangu amène un nouvel ordre, malheureusement, africain, congolais, que sais-je, le monde, rien du tout. C'est cet ordre-là qu'il a remplacé à tous ces systèmes. C'est comme ça, il est l'auteur, oui, Papa Simon Kimbangu est l'auteur RD Congo, contrairement à ce que nous apprenons à l'école, à l'université, que l'histoire politique de la RDC avait commencé en 1960. Non, ça n'a pas commencé en 1960. C'est en 1921. C'est lui. Et c'est ça la cause, d'ailleurs. Il est également l'auteur de l'histoire dont on parle aussi, des relations internationales. C'est lui. Parce que on ne peut pas parler des relations internationales sans parler de colonisation. Relations internationales sans parler de la décolonisation, parce que la décolonisation, c'est ça le phénomène fondamental de l'histoire des relations. S'il vous plaît, docteur, nous voyons que vous avez abordé largement la réponse à cette question. Et comme il y a je descends dans l'auditoire, on dirait. Alors, voilà. Donc, on va vous demander peut-être une minute. Les autres. Ok. C'est-à-dire, Papa Simon Kimbangu, il est l'auteur du panafricanisme. Il est l'auteur également, comme je venais de le dire, de la décolonisation. C'est comme ça, nous disons, je dis toujours, le rôle de Mama Kimbavita, de Martin Luther et notre, les autres, sont loin qu'a joué Papa Simon Kimbangu
parce que lui, il a bouleversé. Il a changé. Il a apporté ce qui n'a jamais existé. Un fondement que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas. Que le kimbanguisme comme système, vous allez me permettre 2 minutes, comme système stratégique international pour la sécurité, la stabilité et la paix au monde. Merci. Merci beaucoup. Nous passons à nos amis de Vox TV. Nous appelons les représentants de Vox TV à venir donc oui, passer et puis vous poser votre question. Vox TV. Okay, merci pour la parole accordée. Je vais droit à la question. Je vais poser une seule, qui est celle de savoir. Pensez-vous que si l'on avait compris Simon Kimbangu, l'Afrique serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui? Répose un peu la question. Je repose ma question. Oui. Pensez-vous que si l'on avait compris donc la pensée de Simon Kimbangu, l'Afrique serait différente de celle de ce qu'elle est aujourd'hui? Nous sommes sous la dépendance, non? Nous sommes toujours sous la dépendance. Si on se dit indépendant, oui, on est indépendant. Mais lesquelles indépendances nominales? On nous a proclamé. Ce sont des retombées de ce que je disais là. Ce sont des retombées de la période coloniale. C'est-à-dire les indépendances d'Afrique. Pas seulement l'Afrique, du monde. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Parce que en Asie, l'Amérique latine, en Océanie, jusqu'à 1921, certains pays étaient encore sous la domination. Et ceux-là qui sont venus nous coloniser ici, là où nous sommes, ce sont des Français. De l'autre côté, notre vie, ce sont des Belges. Ainsi de suite, des Anglais, Allemands, que sais-je encore. Bien que l'Allemagne, après qu'il soit désarmé, on lui a récupéré toutes les anciennes colonies. Ce sont des indépendances. On a proclamé grâce aux retombées de la période coloniale par l'action de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire son avènement d'ici à venir. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à suivre l'homme blanc, ceux-là qui nous ont colonisés. Parce que ces indépendances étaient nominales. Et les États que nous avons aujourd'hui, ce sont des États importés. Tous les premiers politiciens à l'époque, qui sont allés vers les anciennes métropoles, pour négocier ces indépendances, malheureusement, ils étaient tous des peuples colonisés, c'est-à-dire des esclaves, devant leur maître, ils ne pouvaient rien dire, sinon accepter les conditions, et c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans leur pays avec des instructions, des structures, des constitutions qui n'ont rien à voir avec
nos pays. Et aujourd'hui, après les post-coloniales, c'est la néocolonisation. C'est-à-dire, nous n'avons pas des États libres. Ce ne sont pas des États comme nous le croyons, comme nous le pensons. Ce sont des États importés qui n'ont ni histoire. Sinon, où est l'histoire de ces États? Où est l'histoire de cette Afrique? Au moment où l'ex-président Sarkozy jusqu'à nier l'Afrique, que l'Afrique n'a pas d'histoire. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Beaucoup n'ont cru que Petit de Pouguer a dit ça. Mais non, il a dit quelque chose de très important. C'est parce que pendant la vague des indépendances, tous sont rentrés attendre la proclamation de ces indépendances. Mais ce sont des indépendances sans histoire, sans conviction et sans légitimité. Et c'est comme ça que les nouveaux États, ces États-là, en relations internationales, dans les relations internationales, continuent à souffrir. Nos gouverneurs, nos chefs d'État, quand ils vont dans des rencontres internationales, amen. Ils vont assister à ceux-là qui ont façonné, qui ont dirigé, qui nous ont colonisés, à suivre les orientations, les directives, et enfin, quand ils rentrent, ils ne rentrent pas avec ce que nous, nous pensons, mais ils rentrent avec des instructions, ce que nous, on doit faire. Alors, la différence est simple. Il aurait fallu suivre Papa Simon Kimbangu. Si nous avons suivi Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire, nous n'allons pas nous asseoir ou asseoir nos États, nos indépendances à l'ancien fondement, comme je l'ai dit. Dans mon travail dernièrement, j'avais dit que il y a des discours, il y a le discours colonial qui est parti de l'Occident et le discours de la décolonisation qui est parti de l'Afrique, plus précisément en Kamba. Ce discours n'a jamais été lu ailleurs. Tout la décolonisation a vu le jour en Kamba le 6 avril. Et c'est pour cela qu'il a été arrêté parce que c'était un homme dangereux. Et au fait, c'est quoi? Mais c'est parce qu'il a écarté les fondements qui est le christianisme. Parce que c'est le christianisme, c'est par le christianisme qu'on nous a attrapés. C'est par la religion, c'est le pilier central de la colonisation, c'est le C central, C christianisme, C civilisation et C commerce. C'est ces systèmes-là. C'est comme ça que j'avais dit que c'est Jésus-Christ de Rome est différent de son Jésus-Christ, lui, Papa Simon Kimbangu. Et j'avais dit qu'il n'avait pas reçu la paix. Mais la visite, et j'avais dit tout haut que soyons curieux d'arriver chez le chef spirituel, poser la question, Papa Simon Kimbangu Kyangani, lui s'appelle Simon Kimbangu Kyangani, c'est parce que c'est l'authenticité à l'époque du président Mobutu. Montrez-nous là où votre grand-père parla de Jésus-Christ, il va vous le montrer. Ce n'est pas de métaphysique, c'est de physique.
Et ce n'est pas un endroit ou trois endroits, mais plusieurs. Une blague, un jour, alors il est arrêté. Il est à Elisabethville, donc Lubumbashi. Toujours notre grand-père, mais du côté maternel, papa Simon Bimbao. C'est du côté papa. Mais cette fois-ci, notre grand-père, côté maman, c'est M. Nsungu Simon, l'ami à papa Simon Bimbao, qui voulait à tout prix. Parce qu'il venait lui dire, bon, moi j'ai parlé avec mon ami Joséphine, allons-y. Et puis un jour il dit, bon, est-ce que moi je ne peux pas le voir? Il dit, oui, vous pouvez le voir si vous le voulez. Je dois le voir. Alors, son nom, papa Simon Kimbao, il dit, bon, au monde, je vais le dire, comme ça il viendra vous voir. Il va l'annoncer, vous allez me permettre, hein? Deux minutes. Hein? Faites bonne histoire, deux minutes. Alors, il dit, je vous annonce, mais alors préparez-vous maintenant. Il va arriver à 12h demain. À 12h, mais prépare-toi. Malheureusement, notre grand-père côté maternel, son ami, parce que tout le temps il était ensemble, lui ne s'était pas bien préparé. Mais posez-vous la question, c'est une préparation. Et il est 12h. Maintenant, Jésus-Christ arrive. Il n'a pas supporté la lumière. Il est tombé, il est mort. On l'amène à l'hôpital, il est déjà mort. Après 9h, les médecins constatent qu'il y a moyen de le récupérer, il est encore là. Il va annoncer à la famille que non, il est ressuscité, il est revenu. Toute la famille est venue au secours, et c'est vrai, il est debout. La famille l'amène à côté. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Tu étais là. Il explique que voilà, c'est de ma faute. Je n'étais pas bien préparé. Et papa Simon Bimbao lui dit, mais je t'avais dit, prépare-toi. Il fallait te concentrer. C'est celui-là. Voilà donc le fondement, l'héritage. C'était l'homme noir. Ah, il avait parlé chez eux, chez les Juifs, pour la première fois. Et il venait parler chez vous ici, en Kamba, en Afrique. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons cette fois-ci avec la Radio Congo. Et la Guerre TV se prépare. Oui. Oui, question de nos amis de Radio Congo. Je dis que la Guerre TV se prépare. Allez, je crois. Oui. Merci, docteur. J'avais en réalité deux questions, mais à un des collègues qui apparemment était dans mes pensées, il a posé presque la même question. Je vais poser la seconde. Alors, vous parlez, vous avez dans votre thèse, vous parlez d'un Jésus, donc ils sont deux, dont l'un est le colonisateur. Alors, je vais poser cette petite question. Pourquoi le colonisateur a choisi
la voix de l'Église. Pourquoi pour lui, l'Église était le meilleur moyen pour imposer son système en Afrique? Mettez les murs comme ça. Oui, je disais tout à l'heure. Ok. Je disais tout à l'heure que pourquoi pour le colonisateur, l'Église, donc la religion, était donc le meilleur moyen pour imposer son système en Afrique. La religion, c'est la composante principale de la culture. Si vous voulez parler de la culture, ah, la culture. La religion est une culture. Et c'est la principale composante de cette culture-là. Vous savez, les Russes, quand ils étaient encore dans les marxistes, la religion c'était le camp pour le peuple. La religion catholique était devenue l'instrument de la conquête. Parce que par la religion, vous savez, nos États souffrent aujourd'hui. Nos États souffrent aujourd'hui parce que nous n'avons pas des héros. Si vous allez dans des pays nantis, ils se réfèrent toujours de leurs anciens héros, surtout spirituels. La reine d'Angleterre, son mandat était un mandat brillant, un royaume alors. Qui a rayonné le monde. L'Angleterre est une puissance, une grande puissance. Mais ce royaume, si la reine a pu se maintenir, diriger, mais le secret c'est la religion. La réussite de ce royaume, mais c'est la religion. Vous avez suivi tous, lors de son discours d'investiture, le roi d'Angleterre, Charles, n'a pas hésité de mettre de placer l'Église anglicane au centre de leur royaume. C'est-à-dire le succès de ce royaume. Mais c'est l'anglican parce qu'il faut être chef spirituel. Pour être princesse ou que sais-je, c'est ça la force. C'est ça la dignité. On ne peut pas parler de la dignité d'un pays, d'un peuple, sans cette identité spirituelle. C'est pour cela que nous souffrons. Vous allez emprunter ce qui ne vous appartient pas pour asseoir l'autorité de votre pays, votre identité. Non? C'est comme je l'ai dit dernièrement, la République démocratique du Congo. Papa Simon Kimbangu avait parlé de l'État unitaire. Et quand ils sont partis en Belgique, ils sont rentrés avec la République démocratique du Congo. Mais qui ne sait pas que la démocratie, c'est la division. Mais qui ne sait pas que la démocratie,
c'est une bombe à retardement. Quel est cet État démocratique? Le Parlement le plus travailleur du monde, c'est le Parlement britannique. Ils ne sont pas démocratiques. Même ceux qui se déclarent démocratiques, est-ce qu'ils le sont? Non. Mais pourquoi, aux années 90, on doit imposer des conférences nationales souveraines dans tous les pays d'Afrique, sinon du monde? J'espère pouvoir avoir le contrôle. Donc, bref, je disais, je fais trop de tours d'horizonnement. Donc, je disais donc, allez-y. Mais je finissais quand même l'idée. Il y a eu une réaction ici, et puis on va la soumettre. Mais vous m'avez interrompu. L'enchaînement d'idées. N'est-ce pas, l'enchaînement d'idées? Moi, je suis très content parce que je suis ensemble, en face. C'est pour... Ils veulent connaître Papa Simon Dumont. Les États qui souffrent sont nos États. N'est-ce pas? Nous avons des difficultés. Mais les solutions sont là. Les solutions sont là. Parce que les solutions, c'est l'avènement de Papa Simon Dumont de 1921. C'est là où il y a toutes les solutions dans nos problèmes. Les solutions dans nos problèmes, c'est Papa Simon Kimbangu. Les solutions pour nos difficultés, nos états, c'est ce système-là. C'est cette formule-là. Cette diplomatie-là. Ces relations internationales-là, dont lui, il est l'auteur. Votre grand-père, cette politique étrangère qui est le reflet de la politique qu'avait déjà défini Papa Simon Kimbangu en 1921, de la RDC, de la sous-région du bassin Congo, de l'Afrique et du monde. Pourquoi du monde? Vous allez dire comment? Mais ceux qui nous ont colonisés, ce sont eux qui ont colonisé partout là-bas. C'est comme ça, le 24 décembre 1959, quand ils vont reconnaître Papa Simon Kimbangu et son église, et c'était l'internationalisation de l'église kimbanguiste. Et c'est là le grand secret, c'est ça. Que les États, nos chefs d'État, nos États, nos gouvernements devraient, c'est-à-dire attraper les taureaux par ses cornes. C'est parce que nos États sont assis dans un fondement qui n'est pas celui d'un Kamba, de Papa Simon Kimbangu. C'est parce que nos États actuels, soi-disant les États importés, parce que je dis des États, c'est l'État de Papa Simon Kimbangu qui est l'État authentique, vrai État, c'est celui-là. La vraie Église, c'est celle-là. Parce que l'autre Église, c'est une Église coloniale. Par contre, l'autre, son Église, c'est l'Église de décolonisation, de libération. Allez-y. Allons-y. Je pense que toutes les questions liées donc à l'Église telle que posée ou ceux qui ont encore des évocations là-bas, ils vont trouver la réponse. Alors, la réaction, c'était sur l'Église kimbanguiste. Il y a eu une question qui est passée ici. Les gens demandent la précision parce que une opinion largement répandue pense que l'Église kimbanguiste ou bien fait penser que l'Église kimbanguiste serait une arme que les Belges avaient utilisée. Alors, on demande la précision. Reprenez la question que tout le monde peut suivre. Oui.
selon l'Église kimbangiste, selon oui, selon oui. certaines langues, l'Église kimbangiste, c'est une arme que les Belges avaient utilisée. Attends, pour exercer leur domination. Non, pose bien la question, il va le comprendre. Il chuchote. Oui, en tout cas, je lis la réaction de ce monsieur qui avait posé la question numéro 2. Je crois que c'est... Posé. 210. Il dit, l'Église kimbangiste est une arme que les Belges avaient utilisée. Il demande des précisions. Comment explique? Bon, d'après ce que nous entendons partout, on dit que l'Église kimbangiste est la création des Belges. Alors que nous savons que l'Église kimbangiste est née depuis le 6 avril, comme vous l'avez dit, depuis 1921. Mais ils confondent la reconnaissance officielle qui a eu lieu le 24 décembre 1959. Et ils pensent que c'est en ce moment-là que l'Église kimbangiste avait été créée et que ce serait peut-être sous l'impulsion des Belges. Donc ce sont eux les auteurs de l'Église kimbangiste. Voilà. Il faut les aider, sont sous-informés. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé, c'est Papa Simon Kimbangu, a vu les jours, a été fondée en Kamba le 6 avril 1921. La réponse est toute simple. Il s'agit de savoir qu'est-ce que l'Église. Parce que les gens confondent la reconnaissance officielle qui a eu lieu. Mais plutôt l'arme, là. Permettez-moi. Arme. Arme. Pourquoi arme? Je crois que parce c'est comme instrument pour exercer la domination. C'est lui qui a posé la question là. Ou je crois qu'il est, il est sorti, hein. Il est déjà parti. Bon voilà, malheureusement. Voilà. J'allais dire, les Belges n'ont pas créé une arme pour l'Église kimbangiste. C'est plutôt la Belgique, c'était la puissance coloniale après que les rois a cédé, c'est-à-dire de l'État indépendant, à la colonie belge. Une arme, peut-être pas, contre qui, contre quoi, non. Mais c'est une église. Une église, c'est d'abord, beaucoup pensent que c'était un mouvement. Papa Simon Kimbangu n'a jamais créé un mouvement. Il avait créé l'église. En 1921, il avait créer l'Église et non créer le mouvement. Non. Ça, c'est l'homme blanc qui a voulu, qui a mal compris Papa Simon Kimbangu. Ce n'était pas un mouvement, mais c'est une Église parce que, pour preuve, avant qu'il ne soit arrêté, il avait organisé la Sainte Cène, une cérémonie au village de Kengo, ils ont pris tous la communion. C'était déjà organisé. Et c'est comme ça qu'on doit reconnaître cette église en 1950. C'est dire donc, les Belges ont reconnu Papa Simon Kimbangu à 59. Par contre, si les Français l'ont reconnu avant les Belges, c'est dire que c'était une église, une arme. Peut-être c'est l'Occident qui voulait utiliser ça comme arme pour faire quoi, je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors, j'appelais les amis de Diap TV la série de leurs questions. Vu le temps tel que ça presse, je crois qu'une question nous suffit. Merci Papa Simon, merci Papa Zappo. J'avais deux questions. Il faut pas les interrompre. La première question, vous avez cité la période coloniale comme moment de pillage et de désolation. Mais actuellement... Quoi? La période? Vous avez cité que la période coloniale comme moment de pillage désolation. Non. Ça, c'est le système maintenant. La période précoloniale,
C'est là qu'on parle de la nation, le désordre, le pillage. La période coloniale, ça devient un système. Ok, là, il n'y a pas de pillage au sens vrai du terme. Là, c'est la colonisation, c'est l'ordre administratif. Allons-y. Mais actuellement, avec l'exploitation et le pillage des matières premières par les Occidentaux, l'immigration volontaire des Africains vers l'Occident, ne pensez-vous pas que l'Afrique est toujours sous une forme d'esclavagisme? Pardon? Ne pensez-vous pas que l'Afrique est toujours sous une forme d'esclavagisme? Sous quoi? Sous une forme d'esclavagisme. Ah, c'est une bonne question, mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux journalistes, c'est la faute aux pasteurs, à tout le monde ici. La néocolonisation, elle est là, implantée. Mais ce pasteur, c'est simple. C'est une alignation spirituelle. Hé, tu continues à poser la question. Allez-y, sinon je vais envoyer la matière, allez-y. La deuxième question. Vous nous parlez de l'église kimbanguiste ou d'héritage de Simon Kimbangu. Est-ce que, en mourant, Papa Simon Kimbangu avait laissé une église ou un simple mouvement religieux? Un simple quoi? Docteur, s'il vous plaît, je crois que cette question a déjà une réponse. La dernière question a déjà une réponse. PC micro. Vous donnez soin de la solution. Allez-y. Parlons de la première question rapidement. C'était quoi? Vous avez cité que la période coloniale comme moment de pillage et de désolation. Là, vous avez compris? J'ai répondu? Oui. C'est-à-dire, la période précoloniale, c'est là le pillage. C'est là qu'on a déraciné l'Afrique. C'est l'anarchie, c'est le désordre. C'est le commerce triangulaire. Donc l'homme devient une marchandise. Et enfin, c'est la période où a vu le jour ce que nous appelons la charte de l'impérialisme américain, qui fait que nous puissions entrer dans le cycle infernal. Ok? Deuxième question. Vous nous parlez de l'église kimbanguiste, héritage de Simon Kimbangu. Est-ce qu'en mourant, Papa Simon Kimbangu avait laissé une église ou un simple mouvement religieux? Mais j'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu. C'est une église. Du début à la fin, est une église. Nous a laissé un héritage. Mais deux, l'église, c'est l'état que nous avons maintenant. L'état que nous avons, c'était l'état importé. L'état de Papa Simon Kimbangu, qui est authentique, il y a sa légitimité au pays, mais pas à l'extérieur. Nos amis de ACI sont là, agence congolaise d'information, s'ils sont là, ils passent ici pour poser leurs questions. Bien, alors, Web. Merci pour nous avoir encore. Désolé, c'est les moyens techniques que nous avons pour l'instant qui nous font défaut. Nous sommes désorganisés pour pouvoir vous disposer l'information comme il se doit. Toutefois, que Tata Simon Kimbangu, Kangani, le Saint-Esprit nous aide. Le combat de Papa Simon Kimbangu est retombé. Mais aujourd'hui, en quoi peut-elle servir dans ce monde en pleine mutation? Voilà ma préoccupation.
le combat de Papa Simon Kimbangu, le monde en pleine mutation, c'est ça la difficulté du monde. Quelle mutation? Quel type de mutation? Nous allons vers le chaos. Nous allons vers un chaos tous. Voilà ceux-là qui nous ont colonisés. Ceux qui nous ont colonisés, aujourd'hui, sont en train d'être colonisés. Les Français, les Belges, les Anglais, que sais-je, ce sont des porteurs de sacs, de sacoches, des autres, des Américains. Et on est en train d'être sombré. Et le monde est en difficulté, une mutation négative. Et c'est la destruction massive. Nous sommes partis de l'ordre. Premier, aujourd'hui, nous avons un ordre nucléaire, qui est l'ordre de destruction massive. Et l'arme thermonucléaire aujourd'hui, parce que les Américains l'ont créé, les Russes l'ont créé. Tous nous avons suivi le président Macron regretter qu'ils étaient à la fin et que l'Occident était à la fin de leur hégémonie. Cette mutation qui n'est pas positive nous amènera où? Mais c'est parce que le fondement dont on parle ici, qui est parti du christianisme, est un fondement qui a été déjà remplacé par d'autres fondements, comme l'autre précédente question. Est-ce que si nous avons suivi Papa Simon Kimbangu? Mais oui, si nous l'avons accompagné, si nous l'avons compris, si nous l'avons suivi, on n'allait pas connaître ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, parce que le Jésus-Christ là de Rome qui a sillonné le monde, parce que c'est le même Jésus-Christ qui est venu ici, de Rome, avant d'arriver ici, parce que l'Afrique c'est le dernier continent, il était d'abord ailleurs, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, ils ont aussi fait asseoir les fondements. Ils sont venus ici, nous sommes les derniers. Et c'est ces fondements qui terrorisent. C'est cette mutation-là est une mutation qui amène le monde dans un cycle infernal où nous sommes tous bloqués par un carcan difficile. Le président Poutine aujourd'hui malmène leurs collègues États-Unis d'Amérique. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils font en Ukraine, ces Occidentaux? Parce que l'Ukraine ne leur appartient pas. Ça appartient aux autres. Ils sont allés faire quoi là-bas? Ah, c'est simple. Mais c'est parce que, après, parce qu'ils n'ont pas compris Papa Simon Kimbangu, qui avait mené des solutions, qui avait mené les Nations Unies. Parce que les Nations Unies que nous avons aujourd'hui, quand nous défilons à New York, mais ça vit le jour en grand bas, 1921, et tout le monde sait, même ceux-là qui n'ont pas étudié, ils chantent. Papa Simon Kimbangu avait invité les nations du monde entier, après la Première Guerre mondiale, il avait invité toutes les nations du monde entier de venir en Kamba, monter sur la colline de Kamba, pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth, pour des solutions. Et depuis lors, Kamba a été retenu, depuis 20 ans, comme nouveau centre d'attraction du monde. Si vous allez en Kamba aujourd'hui, vous trouverez toutes les races, toutes les nations. J'ai toujours regretté, quand j'étais jeune avec le chef spirituel, on parlait l'anglais. C'est parce que, en 1960, 61, 62,
les professeurs qui étaient en Kamba, c'était tous des professeurs anglais, plutôt américains, qui nous parlaient en anglais, et ils parlaient l'anglais. Marc Sommer, Ken, Merlin, et ils étaient là. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau. Mais les Américains étaient là, beaucoup. Les Français, les Belges. C'est-à-dire qu'ils avaient compris. Et que ça, c'est le nouveau fondement. Ils avaient compris que cette base, c'est une bonne base, c'est un fondement nouveau. Un blanc suivait noir après avoir arrêté, malmené 30 ans de prison ferme. Pour avoir bien fait. Mais alors, les reconnaître et les prendre, apprendre encore son corps, ramener ça. Et le village d'autrui, c'est un village. Le Kaaba, hier, c'était un village. Mais les Blancs se sont arrangés pour qu'un Kaaba devienne le siège international de l'église de Papa Simon Kimbangu. Et si vous allez en Kaaba aujourd'hui, ça n'appartient pas à quelqu'un. Mais hier, c'était le village de quelqu'un, des hommes. Et ils sont là. Mais les Belges, les Blancs ont tout fait pour qu'un Kaaba désormais devienne la ville sainte, devienne le siège international de l'homme que nous avons fait souffrir. Et quand il voit en Kaaba, il est pris comme nous, plus que nous d'ailleurs. Donc c'est l'homme noir qui continue à somnoler sur son lit colonial. Il ne comprend absolument rien. Et ce n'est pas de sa faute. Parce que la gifle qu'il avait reçue de ses faux Jésus est grave, c'est spirituel. Les états sans fondement spirituel, souffrent. Ces états qui n'ont pas de soubassement spirituel, souffrent. Ces états qui n'ont pas de référence des héros spirituels, souffrent. Ceux qui en ont chez eux, ils ne souffrent pas. Je crois que j'ai parlé, j'ai dit merci. Merci. Nous avançons peu à peu vers la fin par rapport à la liste que nous avons eue. Pour leur question, Ratelki Pointe Noire et Comex Actu se préparent. Oui, merci, papa Zako. Nous avons prévu deux questions. Je ne suis je ne sais pas si nous sommes autorisés à poser deux questions. Je suis à votre disposition. Merci, papa. La première question. Dans l'extrait de votre conférence que nous avons suivi dernièrement, vous avez parlé longuement du bassin du Congo. Et nous avons compris ceci. Pour dominer l'Afrique et le monde, les Blancs se sont servis du bassin du Congo, comme vous venez donc de le signifier tout à l'heure. Donc les Blancs se sont servis du bassin du Congo. Et papa Simon Kimbangu... Pose bien la question. Je reprends. Pour dominer l'Afrique, les Blancs se sont servis du bassin du Congo. Et pour libérer l'Afrique, papa Simon Kimbangu a axé plutôt son action sur le même espace géographique. Mais ma question est celle-ci. Quels sont les enjeux politico-économiques et spirituels de cet espace géographique? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Vous avez présenté Papa Simon Kimbangu comme acteur spécial des relations internationales. Doit-on prendre cela comme une simple information ou il y a un travail, un autre travail à faire? Si oui, lequel? J'en ai terminé, merci. L'enjeu majeur ici, c'est le bassin du Congo. Avec l'information exacte du Congo,
Ce n'est pas Congo avec ses camps. Par Stanley et Livingston, il avait toutes les données. Il avait l'information sur le sol et le sous-sol, la faune, etc., etc. Et les rois, ce n'est pas pour rien, plutôt le roi, ce n'est pas pour rien qu'il a remercié Stanley, qui lui a offert ses grands cadeaux. Pendant que De Brazza était ici, partout, les Portugais de l'autre côté, Diego Cao, les Allemands, en fait, l'Allemagne n'était pas intéressée de la colonisation. C'est bien après seulement, quand on lui a fait comprendre, quand on lui a poussé, que c'est important d'avoir une colonie parce que vous allez réaliser des recettes, vous avez des alliés. C'est bien après que Bismarck va accepter. Les raisons qu'il avançait, il n'avait pas du temps parce qu'il se suffisait et puis d'aider, il n'avait pas une marine forte comme l'avaient les Anglais et les Français. Mais bien après, il a pire ici. Sinon, le roi, avec son agenda, il avait l'information exacte sur cet enjeu-là. Les Américains y compris, parce que ces deux explorateurs au service du roi Léopold II étaient tous des anglo-saxons. Et c'est là la stratégie américaine. Les Issa ne peuvent pas laisser l'Afrique. Encore moins le Congo avec K, le centre, Congo, Kinshasa et le bassin du Congo. Il ne l'étaient jamais. Parce qu'ils ont pris leur temps à organiser, à soutenir les rois, à appuyer les rois, jusqu'à le faire doter l'État indépendant du Congo. Ce n'était pas un hasard. Pendant que les autres, c'était des colonies, mais l'autre, c'était une propriété privée, un domaine privé. C'est parce que dans la Convention, ils devraient tous se servir. C'est pas pour rien qu'ils défient, même les guerres à l'Est qu'on sort. La réalité, c'est tout autre. C'est les sous-sols. Ce sont des arrangements qu'ils ont eu depuis Berlin. Ce sont des accords signés depuis Berlin. Comment tous doivent se retrouver. Donc, c'est l'enjeu majeur. C'est grâce à ça. Et c'est le Congo qui est la raison principale de cette conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique, de son aliénation, son exploitation et enfin la domination du monde. C'est-à-dire, dominer l'Afrique par le bassin du Congo, non. Mais je dirais, le Congo, donc Kinshasa, Congo, c'est le poumon. Quand vous avez le monde. Pour preuve, voilà combien de filles là. Même si vous criez, ils ne vont pas se gêner, ils vont venir. Parce qu'il y a à boire et à manger. Et ce sont convenus comme ça. Que nous reconnaissons cet État indépendant, c'est pour vous. Mais nous, on va venir. Pour preuve, voilà par exemple les Katanga. C'est la nuit à la veille de la signature finale de l'acte de Berlin. C'était un autre État, dans un autre État. C'était la Zambie, c'est-à-dire la Rhodésie, à l'époque. Mais parce que le roi avait fait une bonne gymnastique, c'est leur neveu, c'est leur cousin, il est diplomate, il est intelligent, stratège, le roi lui a tombé, et ils ont détaché là-bas, ils ont annexé ça. C'est la nuit, à la veille de la signature, au mois de février. C'est le cas de l'enclave de Cabinda. Cette guerre-là, ce conflit-là, ne se terminera jamais.
Ils n'ont pas laissé ça aux Portugais seuls. Non. C'est un enjeu. C'est là que tous doivent se retrouver. C'est le cas du Golfe de Guinée. C'est pareil. Donc, bref, quand vous avez les bassins du Congo, vous avez l'Afrique. Et quand vous avez l'Afrique, vous avez le monde. Et préparez-vous, parce que dans 20 ans, 50 ans, ils ne vont pas se gêner. Même vous les chassez, ils vont venir. C'est chez vous, c'est chez toi, chez nous, et à boire et à manger. Ils vont venir. C'est depuis Berlin qu'ils ont ça. Mais alors, la question, la deuxième question, les relations internationales. Papa Simon Kimbangu, acteur des relations internationales. Pourquoi? Par rapport au rôle joué. Quel rôle il a joué? Et mais ses enseignements, son message est allé au-delà. Accompagné des actes de puissance. Parce que l'homme noir, sombrerait sur son lit colonial, il aurait fallu d'abord régler la tête de l'homme. C'est ça son premier miracle, papa Simon Kimbangu, en Cam. Il n'a pas réglé les doigts, ou l'œil, ou le cœur, mais c'est la tête. Parce qu'il savait que la tête a été flouée. C'est l'organe supérieur de l'homme. C'est l'esprit qui était floué. Et c'est comme ça, quand il est venu, il a commencé par soigner la tête de l'homme. Parce que c'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui doit raisonner. Et quand ils ont reconnu Papa Simon Kimbangu, il aurait fallu. C'est ça l'impact de Papa Simon Kimbangu en relations internationales. L'internationalisation de l'église kimbanguiste depuis la reconnaissance officielle de Papa Simon Kimbangu. Et son église n'est autre que les conséquences de Berlin 1884-85. Les Blancs se moquent de nous. Les Blancs, l'homme blanc se moquent de nous. Ils étaient surpris que les Noirs aient pensé qu'en 1960, en 1959, parce qu'aucun pays d'Afrique n'était indépendant avant l'avènement de Papa Simon Kimbangu. Aucun. Toute l'Afrique était plongée, sombrée. Tous dormaient. Et c'est Papa Simon Kimbangu qui est venu le réveiller. C'est l'ancêtre. C'est la personne indiquée. C'est ce héros-là spirituel où devrait s'asseoir l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, en quoi est le berceau de l'humanité? Pendant que l'héros spirituel, nous l'avons mis de côté. Et c'est pour cela que ces fondements, comme je l'ai dit, ce n'est pas tard si nous allons nous ressaisir, si nous allons rentrer à la source, parce que Papa Simon Kimbangu, c'est la source. Papa Simon Kimbangu, c'est le fondement. C'est celui qui a parlé avec le monde. Les premières relations internationales ont vu le jour en Kamba par Papa Simon Kimbangu. C'est la décolonisation. L'histoire politique de nos pays a été négociée en Kamba. En Zoom, parce que la Belgique, c'est le vecteur de la conférence de Berlin. Le tout part de la Belgique. Et c'est pour cela que vous allez remarquer toutes les organisations, les institutions de toutes les organisations internationales, vous ne trouverez pas ça hier. L'OTAN qui est la force, c'est en Belgique. Tout qui a trait à l'organisation internationale, européenne, leur siège, leur bureau, c'est en Belgique. Un petit pays, mais géostratégique et géopolitique. C'est donc dire que tout ce que nous avons besoin est dans Papa Simon Kimbangu. Donc quand nous avons Papa Simon Kimbangu, vous avez le monde. Quand vous avez Papa Simon Kimbangu, mais vous allez négocier avec l'Occident. Quel est ce président africain qui va aller négocier égal, égal? Personne. Il n'y a que Papa Simon Kimbangu qui peut le faire parce qu'il a fait ça.
les rapports de force. 4, alors, système colonial en face d'un système. Le système colonial belge, le système colonial européen, le système colonial de la charte de l'impérialisme et le système colonial international. Et lui seul, par la parole, il a ébranlé le système, tous les autres systèmes, et ils l'ont accepté, et ils l'ont reconnu. Et ils pensaient qu'en 1950, 60, 40, ils allaient faire allusion à Papa Simon Bimbangu. Parce qu'ils ont trouvé l'homme de paix. Comme nous l'avons dit dans notre thème, Papa Simon Bimbangu, acteur spécial des relations internationales, sa vision, sa mission et sa philosophie de libération pour la paix au monde. Ils le savent. Et c'est ça la victoire de l'Église bimbanguiste. Et c'est ça l'espoir de l'Église et du monde. Quand on parle d'humanisme, peut-être les autres ne parlent pas comme étant un slogan, mais c'est ça l'humanisme. Mais c'est ça l'espoir du monde. En dehors de ça, quel fondement? Comme l'a dit le président Macron dernièrement, il y a en 2016 ou 2017, parce qu'ils sont bloqués. Il n'a pas hésité de prendre la parole toujours devant ses collègues et qu'il faut refonder l'Europe. Mais vous allez refonder ça avec l'Allemagne. Parce que l'Europe est fondée par le christianisme. Mais comment refonder ça encore? Avec quel élément? Quoi par exemple? Avec les guerres, les conflits armés? Rien. Par contre, ils savent que celui qui a refondé, c'est pas possible du monde. C'est comme ça, le président de Gaulle, plutôt le général de Gaulle, en 1944, ici à Brazzaville, il n'a pas hésité de parler de la décolonisation, comme l'avait dit Papa Simon Kimbangu en 1921. Et en 1945, après une guerre monstre provoquée par les États-Unis d'Amérique, parce que l'Allemagne allait sans précision, et les Américains pour contrôler l'Europe, et contrôler le monde, ils ont provoqué la Seconde Guerre mondiale. Et en 1945, ils ont reconquis l'Europe, alors qu'ils étaient des observateurs. Mais cette fois-ci, ils ont l'Europe, et puis ils ont le monde. Et c'est à Yalta, en Crimée, là où se trouve la guerre aujourd'hui en Ukraine, qui est une province, chez les autres, où se redessine encore cette affaire. J'ai dit, je remercie. Merci, docteur. En tout cas, quand j'ai regardé l'heure, nous allons vers 22h. On est déjà à 21h30. De grâce, on va demander l'indulgence des autres organes. Je sais que j'avais programmé Commerce Actu. Vous pouvez passer pour une question. Et puis, Radio Liberté, et on termine par là. Bon, ceux des pêches sont arrivés. On va voir si on peut faire ça en moins de 6 minutes. Ça peut arranger les choses. Alors, Comex Actu. Merci beaucoup pour la parole, au docteur Ouzako. Ma question est la suivante. Dans votre travail, vous parlez des papas Simon Kimbangu, notre ancêtre religieux, mais en les présentant scientifiquement. Dans votre travail. Dans votre travail, vous parlez de Papa Simon Kimbangu, notre ancêtre religieux, mais en le présentant scientifiquement. Attends, comme qui? Notre ancêtre religieux. Ancêtre. Ancêtre? Oh. Et c'est, je ne parle pas de Papa Simon comme ancêtre religieux. Vous savez, je suis le petit-fils, sinon j'allais vous amener un théologien. Allons-y. Mais en les présentant scientifiquement, y a-t-il alors un rapport entre le kimbanguisme avec la science?
La science, c'est quoi? La science est tout simplement l'ensemble des connaissances fondées sur quelque chose. C'est ça la science. On ne peut pas définir la science autrement. La science, c'est l'ensemble des connaissances fondées sur quelque chose. L'ethnobotanisme est une doctrine. Mais l'ethnobotanisme, c'est le fondement dont je parle ici. C'est-à-dire un système. C'est un système, comme je l'ai dit, et que le christianisme est un système international colonial. Et l'ethnobotanisme, nous l'avons défini comme étant un système stratégique international qui a pour objectif la sécurité, la paix, plutôt la stabilité pour la paix au monde. C'est pour ça que nous avons intitulé le travail Papa Simon Kimbangu, acteur spécial des relations internationales. Sa mission, sa vision et sa philosophie de libération pour la paix au monde. Alors, l'ethnobotanisme est une doctrine, l'ethnobotanisme doctrine d'une religion, comme vous l'avez dit, Papa Simon Kimbangu, c'est notre ancêtre commun, mais que nous avons voulu sanctifier ici. Parce que la science, dans Papa Simon Kimbangu, il y a la science. La science de Papa Simon Kimbangu remonte depuis 1921. C'est au retour du chemin, après avoir été à Mandansanda, où il s'est replié stratégiquement avant d'être arrêté, parce qu'il savait qu'on doit l'arrêter. Mais il attendait le go de son maître, son ami Jésus-Christ, qui était tout avec lui. Parce que c'est ça l'engagement entre Papa Simon Kimbangu et Jésus-Christ, qui lui a garanti que je suis et je serai partout, tu seras partout, je serai avec toi. Et c'est au retour de là où il était, pour ses concentrations spirituelles, là où il a été, il a prophétisé le monde, et sur son chemin de retour, là où il avait étudié chez les protestants, les enfants, les élèves voulaient l'accompagner parce qu'il revenait avec une masse, une foule immense, et tous étaient sortis dehors. Les villageois, tout le monde l'accompagnait. Et les enfants ont fui l'école. Ils voulaient l'accompagner et il les a demandé de rentrer. Et qu'il ne faut pas m'accompagner, plutôt vous rentrez vite à l'école, apprendre, aller étudier. Parce que demain c'est vous qui allez prendre le destin du monde, de ce pays. Et c'est là le début, n'est-ce pas, de la science de Papa Simon Kimbangu. Mais sa science, elle est parfois métaphysique. Vous allez comprendre avec l'eau, avec la prière, sans qu'il vous touche, il met fin à votre maladie. Celui qui est mort revit, et celui qui ne voit pas, ainsi de suite, un paralytique marche alors qu'il n'a pas touché avec la parole. Et c'est quelle science, c'est ça? Comme l'avait dit Papa Dengena ici un jour, ici à Brazzaville, je suis allé en Allemagne, ils m'ont invité dans l'entreprise où on fabrique des avions. On l'invite, il y va. Et là, c'est la poudre, donc c'est la matière première,
Quand vous sortez ici, vous allez là-bas, ça se transforme en autre chose. Et quand vous allez là-bas, c'est autre chose. Et quand vous allez à la dernière porte, c'est l'avion. Et au milieu de l'essence, ça décolle. Et le blanc pose la question à Papa Daniel. Lord, fabrique ça. Ils nous ont montré la matière première du Congo. Les cuivres du Congo, tout, le cobalt, les tout. Notre matière première, là-bas. Et moi, je les ai dit, là, il a dit publiquement, il dit, mais vous pouvez imaginer, avec la terre, avec nous, l'homme voit les jours. La maladie s'est terminée. Celui qui ne parle pas, parle. Celui qui est mort, réveille. Celui qui ne marche pas, il marche. Mais avec quoi? Avec nous. Avec la terre. Avec la parole. Et il ajoutera que nos avions, leurs avions tuent les gens. Ça fait des crashs. Il y a des accidents. Mais nos avions, que les Noirs vont créer, ne feront pas de crash. Nos véhicules ne feront pas des accidents. Et il va dire à la fin, ils ont un quart. Par contre, nous avons trois quarts. Et c'est vrai parce que, quand nous regardons, ce qu'ils ont là-bas, ça part de chez nous. Tout part, surtout notre bassin du Congo. Les tout. Et c'est ça, c'est comme ça qu'ils nous apportent des guerres. Au lieu maintenant d'aller voir celui qui a parlé avec lui, et, parce que les blancs parlent, papa, c'est lui qui va parler avec tout le monde. Les Anglais, les Français, les tout. Et c'est comme ça que la France l'a reconnu avant les Belges. Ils ont demandé, papa, c'est lui qui d'implanter l'église. Ce n'est pas pour rien. Et moi, que cette œuvre de l'homme noir qui a traversé le mer, les océans, sans difficulté au pied. Vous arrivez, vous êtes venu d'un camp. Ah. On vous prend au sérieux. Parce que vous venez d'un camp. Mais ils avaient arrêté Papa Simon Bimba. Mais aujourd'hui, si vous venez d'un camp, vous êtes humaniste, vous êtes pris au sérieux. Partout dans toutes les ambassades. C'est dire donc, c'est l'homme noir qui ne comprend rien. Nous sommes distraits. Nous sommes encore aveuglés. Par des sociétés secrètes, la prolifération des organisations internationales dans nos pays, régionales, continentales, une détente, une distraction qui nous amènera nulle part. Alors que nous avons les atouts, nous avons un système, les nouveaux systèmes des relations internationales. C'est vous, c'est nous. La négociation, qui peut aller négocier avec les blancs pour que vous soyez égaux, égaux? Non. Si vous allez chez les blancs, s'il y a 20, toi tu auras 5. Les 15 restent là-bas. Quand vous allez négocier là-bas, c'est le dialogue des sourds. Il n'y a pas de sud-sud. Mais papa, c'est moi qui demande, si vous amène pour négocier, ça ne sera pas un dialogue des sourds. Je dis, je finis. Merci, docteur. Nos amis de Radio Liberté. Une question. Teta Dioko Katula Mwanzi. Batata Mamoula Tonina. Aujourd'hui, au plateau de 15 ans, c'est un grand événement. Hein? Soyez attentifs à la radio de l'équipe manguiste. Sinon, j'en avais deux. Merci de m'avoir accordé la parole, Papa Sakou. Et je suis très ravi de parler des questions africaines avec vous. Et je vois que j'apprécie vraiment votre démarche. Et
tout ce que je viens de dire. La, la toute première question, c'est une préoccupation. Vous n'avez pas d'autres micros là-bas? Ça va? Ça fait des bruits. Ça va? Ok. Donc, c'est une préoccupation. J'ai lu, puis j'étais au coup d'œil sur votre thèse. Vous avez dit quelque chose de très pertinent. Vous avez dit que l'actuel chef spirituel de l'Église, c'est Papa Simon Kimbangu de 1921. Pouvez-vous nous éclaircir un peu? Parce que c'est comme s'il y avait l'âge qui cachait la forêt, cette dichotomie-là. Ça, c'est la première. La deuxième question, vous avez parlé... Non, justement, j'en ai deux. Excusez-moi, hein, parce que ça, c'est juste une question de plus, si vous le permettez. Alors, vous avez dit que tout est parti de l'Afrique. Le problème d'Afrique, c'est parti du bassin du Congo. Et vous avez même ajouté également que les États sont, les États africains sont importés. Alors, ça veut dire que si tout est parti du bassin du Congo, ça veut dire que le salut aussi peut partir du bassin du Congo. Quelle est réellement la vraie philosophie, la démarche de Simon Kimbangu pour sortir l'Afrique de ce pétrin? La première question, vous avez dit quoi? Vous avez dit que le vrai chef spirituel, le vrai chef le vrai chef spirituel, oui, de Kimbangu, c'est Papa Simon Kimbangu de 1921. Pourquoi cette précision? Et aussi, c'est une question qu'on a posée aussi. Pardon? Il fait allusion à quoi? Vous avez dit que Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel aujourd'hui de l'Église, c'est lui, le Papa Simon Kimbangu de 1921. Ah, d'accord. Voilà, il voulait qu'on lui explique cela. Oui, c'était bien. Et la deuxième question, je pense que vous l'avez bien comprise. Allez-y, la deuxième question. La deuxième question, c'était, vous avez dit, vous avez parlé des États importés. Vous avez parlé du bassin. Justement, tout était parti, donc le malaise, le problème de l'Afrique, j'ai compris, que c'est parti depuis le bassin du Congo avec tout ce que vous avez eu à dire, c'est-à-dire que la vision de Papa Simon Kimbangu n'a pas été respectée. Et lorsque les États africains ont parlé d'indépendance, il a été donc question que cela se fonde selon les réalités africaines. Malheureusement, ces États ont eu à importer le système de l'Europe. Alors, quelle est la démarche à suivre pour sortir les États africains de ce pétrin? Il faut les suivre. Suivez-les. Vous m'avez compris? Vous les suivez? Il a compris? La question est très simple. Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu à toutes les questions. Vous savez, pour avoir l'Afrique, le monde, le Congo, mais c'est pas le bassin du Congo, c'est là la gymnastique. Et c'est là que Papa Simon Kimbangu va aussi libérer le monde, c'est à partir d'ici. C'est-à-dire, le monde est attrapé au Congo par la Belgique. Et le monde est libéré par Papa Simon Kimbangu au Congo belge. Vous avez compris? Venez. Venez. Vous savez, c'est grâce à la gymnastique du roi Léopold II. C'est grâce à la gymnastique du roi Léopold II, roi des Belges, que la conférence de Berlin a eu lieu. Et c'est ce qui fait que nous puissions entrer à la période coloniale. Et pour nous libérer
de ce système colonial, c'est Papa Simon Kimbangu encore qui récupère le Congo, toujours ex-belge, le 6 avril 1921, pour imposer le fondement. C'est-à-dire, il a mis fin à l'ère chrétienne et va débuter l'ère du Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu. Et c'est le début de la nouvelle civilisation, qui est la civilisation kimbanguiste, en remplaçant la civilisation occidentale, qui est la civilisation chrétienne. C'est clair? Il a compris, docteur. Les dépêches, je me signale la présence des dépêches. Une question de nos amis des dépêches, Bravavi. Merci, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kanani. Merci, professeur Papa Zoka. J'ai juste une préoccupation. Ça concerne l'Est de la RDC. Lors de votre exposé le 14 janvier à Kinshasa, vous avez dit que si on avait écouté Papa Simon Kimbangu, la situation qui vit l'Est de la RDC, l'RDC n'allait pas vivre cette situation. Alors, qu'est-ce qu'avait dit Papa Simon Kimbangu? Ou qu'est-ce qu'il fallait faire pour que on ne vive pas la situation actuelle de l'Est de la RDC? Il y a des routes. Il y a deux routes. La première route, c'est celle de la colonisation. La deuxième route, c'est celle de la décolonisation qui commence en CAM depuis son arrestation le 12 septembre pour être amené en Banzangungu. C'est ce que les Kimbanguistes et le monde entier appellent chemin de la passion. C'est ce chemin-là qui justifie la souffrance, la passion de Papa Simon Kimbangu. C'est cette route-là qui commence en Kamba, qui va jusqu'à se terminer à Lubumbashi aujourd'hui, hier, Elisabethville. Et de Lubumbashi à Elisabethville, jusqu'en Kamba encore. C'est ce corridor. C'est cette ceinture de sécurité que Papa Simon Kimbangu, comme convenu avec son maître, son ami Jésus-Christ, pour sécuriser la RD Congo, parce qu'il savait, comme je venais de le dire, la province du Katanga était déjà confisquée, pointé du doigt par la Belgique en rapport avec les rapports qu'il avait reçus des explorateurs. Le roi Léopoldé avait déjà les Katanga pour poumon de la RD Congo. Et heureusement, c'est là encore que Papa Simon Kimbangu sera amené en 1921, où il va rester 30 ans en prison. Et après sa mort, on va encore le prendre pour le ramener. Toujours les Belges le ramènent. Ils vont avec lui
sont rentrés avec. En partant, il est prisonnier. En rentrant, il a l'honneur. Il s'appelle, à l'époque, prophète. Et c'est les Belges qui l'ont amené. Et c'est ses secrets, c'est là où Papa Simon Kimbangu, avec sa stratégie spirituelle, avait ceinturé la RD Congo. Malheureusement, comme je l'ai dit, les fondements, l'homme noir, l'homme congolais, l'homme africain, qui a cette force de frappe, qui a une diplomatie parce que c'est de lui que la diplomatie a vu les gens. S'il y avait la diplomatie, s'il y avait les relations internationales, s'il y avait la politique extérieure, ne pouvait y avoir une première guerre et deuxième guerre mondiale. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de bonne politique, il n'y avait pas de relations internationales. Parce que c'était la politique des alliances. Quand l'Allemagne va discrètement signer l'alliance avec les Français, les Anglais ne savaient pas. Et quand les autres, clandestinement, ils vont signer ça, il n'y avait pas la bonne diplomatie. Il n'y avait pas des relations intéressantes comme nous les avons, comme c'est défini par Papa Simon Kimbangu, clairement. Et alors, tout ça, ce n'est pas parti d'ailleurs, c'est parti de chez nous, de chez vous. Et c'est comme ça, je le répète, il n'y a pas de barrière, Papa Simon Kimbangu, partout, quand on l'invite, quand vous avez besoin de lui, même quand il est assis là-bas, il est écouté. Il est écouté, diplomate, roi, président. Il suffit d'apprendre. Ah, c'est le chef spirituel de l'église Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. La porte elle est ouverte. Mais c'est cette diplomatie-là, c'est cet homme-là qui devrait nous amener partout. C'est le laisser-passer. C'est l'héros spirituel qu'ils savent. Mais quand ils regardent, en 1960, 50, 62, 65, 80, les indépendances voulaient retourner ça encore. Vous allez encore négocier avec en position de faiblesse. Et ils ont vu que ça ne sert plus à rien. À l'Est, là-bas, par exemple. Ce qui se passe à l'Est. Et c'est ce qu'il avait prophétisé en 1921. Et ce n'est pas un hasard. Les infiltrations n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis 1921. Si vous allez en Kamba, ici même, chez vous, ici. Parce que vous avez aimé Papa Simon Kimbangu. Vous l'avez porté. Eh bien, les colonisateurs avaient trouvé un danger parce qu'ils voyaient leur pouvoir. Mais les Noirs, qui étaient catholiques, protestants, abandonnent et vont suivre. C'est comme ça, Saint a été des véritables militants, des premiers haies. Ils n'ont pas étudié. Mais ils ont accompagné Papa Simon Kimbangu partout. Il y a des Congolais qui sont allés faire la prison en Centrafrique parce qu'ils ont suivi Papa Simon Kimbangu. Ils ont fait des Centrafricains là-bas. Et parce que vous l'aimez, c'est simple. Ils vont prendre un Angolais, ils le mettent à Kinshasa. Allez, c'est toi. Remplacez-moi ce chef de Dieu. Et vous, à Brazzaville, allez, amène là-bas. Il s'appelle un tel. Et sur le suite. Et ils ont facilité ça parce que sinon, si nous le laissons avec ses frères, nous n'allons pas nous asseoir en Afrique pendant qu'il y a tout ici. Et c'est comme ça, vous allez trouver des personnes, parfois, qui ne sont pas autochtones, mais ils sont là-bas. Des personnes qui sont d'autres pays, mais parce que depuis la colonisation, il y a eu des mutations forcées. Ce sont des conséquences de 1921, c'est-à-dire le blanc avait compris que ces noirs ici, ils ont leur Dieu, que ces noirs maintenant, ils ont un fondement, que ces noirs maintenant, ils sont en position de force.
et ils savaient que le leur n'avait pas d'avenir, mais la vôtre avait de l'avenir. Et c'est comme ça qu'ils vont vous reconnaître tous au même moment, en vous regardant. Mais malheureusement, tous initiés dans des sociétés secrètes, vous allez tous les obéir. Conséquence, la néocolonisation. Parce que la néocolonisation, il ne faut pas chercher la définition ailleurs. La néocolonisation, c'est de l'aliénation pure et simple spirituelle. C'est la prolifération des sectes, des sociétés secrètes. C'est la prolifération de tout ce que nous appelons organisation, ces ONG, ces organisations régionales, sous-régionales. Ça, qui les a créés, ça aboutit à quoi? Quand vous allez dans des concerts de nations, est-ce que vous apportez quelque chose? Rien. Mais quand vous rentrez, on vous donne des orientations, des directives. Donc, bref, un effort, comme l'avait dit Papa Dengenda, suivez-moi aveuglément pour arriver au cap. Mais c'est simple. Timbangi Soye, voyez, mais suivez-moi aveuglément. Il a dit ça. Il a dit ça. Et il disait tous les jours. Merci. Merci, docteur. En fait, nous serions arrivés à la fin. Il y a une question qui a été posée ici et ça a été réclamé. Je sais que la réponse a été donnée au début, tout comme dans la prière du président du collège, délégué du collège, une question qui porte sur la révélation la plus importante aujourd'hui, celle de dire, d'expliquer le retour de Papa Simon Kimbangu à travers Papa Simon Kimbangu Kiana. Je dis une révélation importante parce que tout ce que nous sommes en train de décrier, on dit qu'on n'a pas compris Papa Simon Kimbangu. C'est les erreurs de ceux du passé. Mais aujourd'hui, pour ne pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs, alors vous êtes mieux placé pour expliquer aux Congolais qui est réellement Papa Simon Kimbangu. La réincarnation. La réincarnation. 1910, Papa Simon Kimbangu, en Kamba, il dit je vais renaître en 1918. A vu les jours, Papa Joseph Dengenda, alors à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en 1951, Papa Simon Kimbangu, gardé en prison, a vu, il a fait venir son fils, qui est Papa Dengenda, parce que c'est un problème de succession. Pour lui transmettre tout ce qu'il fallait, parce qu'il savait qu'il doit tout donner. Et c'est de là, que Papa Dengenda, son père va lui dire, vos épouses sont enceintes, vos trois épouses sont enceintes. L'épouse de Papa de Sorguer est enceinte, l'épouse de Papa de Noumanakanga est enceinte, l'épouse de toi Daniel est enceinte. Moi bientôt je vais partir. C'est l'épouse qui mettra au monde un garçon. Le jour de ma mort, je reviens. Et en 1951, à la date du 12 octobre, a vu le jour celui qui vous regarde en face. Voilà donc. Alors, j'allais expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Comment cette gymnastique, le grand-père du côté maternel, était l'ami à Papa Simon Kimbangu, nuit et jour. Nous habitons Lukengo. Lukengo, c'est notre village. D'ailleurs, c'est notre village. Tel qu'il est dans le chef spirituel, c'est son village. Si vous dites que je pars au village, c'est là sa maman. C'est là notre maman. Nous sommes les bantous, le matriarcat.
avant qu'ils ne partent tous en relégation, d'être arrêtés, parce que les deux étaient arrêtés, ils avaient déjà réglé le mariage entre les deux, c'est-à-dire le fils de Papa, Papa Simon Kimbangu règle l'affaire de son fils, Papa Dalunga. Et l'oncle, à notre maman, règle avec Papa Simon Kimbangu l'affaire des deux enfants. Donc, la maman et papa. Et quand on les arrêtait, ils sont partis, ils savaient que cette cérémonie doit avoir lieu et que celui qui est en face de nous sera le successeur de Papa Simon Kimbangu. De son vrai nom, depuis qu'il est né en 1951, c'est Papa Simon Kimbangu, tout court. Mais quand il y a eu authenticité chez lui que vous avez suivi, alors tous étaient obligés de porter le nom de votre papa. C'est comme ça qu'on va ajouter Kiangani. Donc, comprenez l'Africain, quand votre maman met au monde ton grand-père, meurt. Là, on perd. Puis, grand-père est mort. Et là-bas, la maman a mis au monde un garçon. C'est-à-dire, là-bas, les gens pleurent. Mais quand ils vont prendre, et bien, c'est la joie, c'est la fête. Donc, les deux fêtes, ce jour-là, en Kamba. Et c'est comme ça que la succession a été réglée par Papa Simon Kimbangu lui-même en 1920-21. Et c'est comme ça, au sein de l'église kimbanguiste, il n'y a eu jamais eu de problème de succession. Quand vous apprenez qu'il y a un problème là-bas, il paraît, non. J'avais dénoncé ça dans mon travail parce que la dissidence, on ne peut pas parler de la dissidence sans succession. Quand vous voyez quelque part, il y a des tourbillons, il y a des désordres, parce qu'il y a succession, ou bien dissidence, c'est déjà succession. Et en Église kimbanguiste, ces problèmes n'existent pas. Parce que le problème de la succession de l'Église kimbanguiste est réglé par le pouvoir discrétionnaire de celui qui est au pouvoir. Donc, tel qu'il est là, c'est lui qui doit régler les problèmes de la succession. Donc, si vous apprenez que ah, là-bas, il y a des désordres, c'est la rébellion. C'est une rébellion parce qu'en 1921, quand la puissance coloniale avec l'Église catholique et protestante, quand ils ont vu Papa Simon Kimbangu avec son charisme, parce que tous les fidèles catholiques protestants, ils ont abandonné leurs églises, ils sont tous allés en Kamba suivre Papa Simon Kimbangu, ça n'a pas arrangé. Parce que les intérêts capitalistes, impérialistes, étaient en panne. Il aurait fallu maintenant arrêter. Vous comprenez, on arrête le papa et on arrête l'enfant de 7 ans pour avoir témoigné des actes de puissance de son père et récupérer les deuxièmes qui avaient 3 ans pour le lavage de cerveau. Et c'est de là qu'on a fait des catholiques modèles et on les a confiés des responsabilités pendant que leur papa pire là-bas, récupère les enfants, ils ne vont pas rentrer au village. L'autre, on est désigné dirigeant de la chorale catholique, l'autre, responsable du mouvement de scouts catholiques et de traitement inhumain. Des tortures morales, physiques, psychologiques, ainsi de suite, avec comme objectif, il ne faut pas que les enfants de Simon Kimbangu, tel nous le gardons aussi, qu'ils soient successeurs à leur papa. Sinon, ça serait la continuité de l'Église. Il faut, coûte que coûte, anéantir, mettre fin à cette Église. Et le papa ne verra jamais sa famille et ses enfants, on les garde ici, on va les transformer. Et c'est là
la naissance de la dissidence parce qu'ils ont demandé aux faibles d'esprit à l'époque, c'est-à-dire les Kimbanguistes, c'est ceux-là qui accompagnaient, qui étaient en relégation, certains ont été récupérés et on les a donné de l'argent pour les opposer aux enfants de Papa Simon Kimbangu et de ne jamais accepter qu'ils deviennent des successeurs de leur papa. Et ainsi de suite, jusqu'aux années 60, Papa Daniela, qui doit succéder à son père, est encore gardé comme commis chez le gouverneur. Et il aurait fallu une forte pression. Les Kimbanguistes ont fait des pétitions pour dire, mais comment il a posé sa démission, il doit quitter pour venir travailler, remplacer son père, et vous ne voulez pas. La pression auprès des autorités belges, en fait, ils ont lâché, et c'est comme ça que Papa Dengen va servir son père et devenir chef spirituel. Ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci, docteur. Voir Papa Simon Kimbangu de 1921, revenir d'abord à travers Papa Diangenda en 1918, et vous le voir revenir vers nous depuis 1951 à travers Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour moi, si vous me le permettez, ce serait ce que je demanderais qu'on appelle la science kimbanguiste. Je crois que c'est par ce nom que nous mettons fin à notre activité, à notre conférence bref. C'est vrai qu'on est allé au-delà du temps prévu parce que les gens sont venus avec la soif de connaître et papa, le docteur Zakou, il a encore l'énergie. Peut-être prochainement, à d'autres occasions, on pourra revenir sur certaines questions. Alors, nous remercions tous les organes de presse qui sont venus à notre appel. Nous demandons aussi, nous vous présentons des excuses parce que dans l'organisation, vous avez dû constater certains désagréments. Alors, pour cela, nous sommes tous comme vous. Je crois que dans l'organisation, il peut se passer quelque chose. Pour cela, nous vous demandons des excuses. Alors, nous allons inviter le révérend Mobutu pour dire la prière finale. Alors, donc, Dioko Katula Mwanzi. Mes chers amis, je me suis permis de vous mettre ce live en ce jour spécial parce que cet après-midi, à Mbanza Kimbangu, au plateau des 15 ans, ce territoire de France est le Congo Mbanza Kimbangu. Moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu, pas français, Brazzaville, donc excusez-moi du terme, moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu. Il va se passer un événement. Soyons attentifs de suivre la radio-télévision Kimbanguise à travers ses différents canaux, entre autres réseaux sociaux. J'appelle Ratelki, Brazzaville et Facebook comme... Ok, avant YouTube. Donc de remettre le micro au révérend, nous venons d'assister à un brillant exposé. J'ai vu comment les gens secouaient les têtes. Je crois qu'on ne peut pas terminer sans applaudir le docteur. Applaudissons. Voilà. Donc, je vais remettre le micro au révérend pour la suite. Non! Non! Congo! Vous n'avez pas vous avez pas vous avez pas vous avez pas dit que 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 vous avez pas dit Osalaki na biso bandele ya milulu ya biso ya conference de paix biso na ndenge po solongo pa to yake na kimia to sengi na nzambe wa biso pe de moko moko kat na biso azonga na kimia so to kuta nsu mi bolezali ko yak to zonga pe so matondi te kimia e kamba biso na nzote pe na mulimo okomba tata mwana pe tata mulimo sangi enta mbuza kumwe to Yesu Kristo ezola kwanza biwa sedito
Merci. Donc, nous assistons, on se lève pour saluer le départ de Papa Simon Kimbangu Kyangani, chef naturel et représentant légal. Et il est suivi donc du docteur Papa Zako Pituvidi Kyangani. Alors, pour nous qui restons, mes chers amis, au nom du Père, qui, Papa, qui solo Kelo, du Fils, dit Papa Dialunga Kyangani, et du Esprit, dit Papa Diangenda Kontima, en la personne de sa divinité, Tata Nkwatulendo, Tata Simone Kimbangu Kyangani. Mes chers amis, je me suis permis de vous diffuser ce live par rapport à la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le premier du mois de Kundikanene. Et oui, mes amis, vous, nous autres là, enfin, dans le un quart, hein, dans le un quart, c'est la date aujourd'hui, on est le 7. Mais dans le Kimbangu Muna, c'est-à-dire le mode calendaire que Tata Kimbangu, à travers la science qu'on nous a donnée, le Pakundungu et le Pelekete, le Mandombe, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle le mois de premier jour du mois de Kundi Kanene. Le mois de Kundi Kanene, qui est donc l'équivalent du mois de mars. Il y a beaucoup d'événements en ce jour. En ce mois, plutôt, voulais-je dire. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un événement. Il se passe, j'étais avec mon directeur technique général, Papa Révérend Mavabou, qui m'a briefé un petit peu, parce que nous, on est en phase avec le siège. On est les médias, la radio-télévision Kimbangis, ici, sous la coordination de Papa distingué Paul Malonga. Nous, en tant que relayeurs, on est les communicants, les disciples de cette divinité. Et donc, en tant que disciples, on est les médias. Donc, moi, je vous dis que les médias, nous l'avons défini comme étant, c'est un acronyme. Média qui? Dans le mot média, messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités de Tata Kimbangu. Média qui? Donc, messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, des activités du Kimbanguisme. Donc, entre autres activités du Kimbanguisme, c'est ce qui s'est passé le 17 février dernier au centre d'accueil Kimbanguiste des plateaux de 15 ans. Non, le 17 janvier, non, février, c'est février. Si ma tête me voit, le février. Alors, donc, on s'est permis de vous relayer pour rappel ce que notre papa, aujourd'hui, papa docteur, professeur, docteur, lui, il a dit toujours, appelez-moi Papa Zako. Donc, Papa Zako, avec tous mes respects, il nous a éclairé la lanterne. Parce qu'il nous dit que les intellectuels africains ont un problème. Ils ont longtemps refuté le Christ Jésus. Le vrai Christ, grâce à ce travail de thèse doctorale, et à travers cette vulgarisation, les commandes d'autres conférences de presse, en affrontant donc les cheveux de la plume ou les communicants, il nous éclaire, il nous précise son travail doctoral. Et donc, par rapport à ça, c'est une révérence. C'est-à-dire qu'il est digne d'être révéré en quelque sorte. Parce que ce travail-là, c'est un travail formidable. Nous, les intellectuels, moi parce que je vous dis que je me délecte de cette science-là. Ce que Papa Général nous a fait. En tout cas, mes chers amis, je ne vais pas tirer en longueur. Nous avons tous suivi. Je vous demande simplement d'être attentif avec Mbanza Kimbangu, donc Brazzaville, cet après-midi, où il va se passer quelque chose au centre Kimbangis de plateau de 15 ans. Sont d'accueil qui m'ont le plateau de 15 ans à Mbanza Kimbangu. Donc, dites Brazzaville. J'aime pas le terme, mais excusez-moi, moi j'ai plutôt appelé Mbanza Kimbangu. Vous m'excuserez, je connais les raisons pour lesquelles je dis ça. Parce qu'en tant qu'homme politique, en tant qu'homme scientifique, en tant qu'homme spirituel, dans le cadre des 3 P2SP, nous savons quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, donc, nous, grâce au Mandombe, Pakundungu Yepelekete, nous expliquons
des faits spirituels scientifiquement. C'est pourquoi venons, nous disons, venons nous approprier de ce que Papa Simon nous a donné. Il dit, Mandome, ma, prends, toi qui demandes souvent. On est le terme, on est le peuple nommé, nous demandons souvent, mais aujourd'hui il a pensé à nous. Papa Simon qui m'a dit, Papa Obeladio, Ndalou Zazole Mouene, Yindalou, Louvangi, la Biabio, Louvoui Dimfounou, mon activité matérielle. T'étais qui m'a dit, avant qu'il soit arrêté. Avant qu'il soit, enfin, il va pas arrêter, je veux dire, la manière dont ils ont utilisé, qu'il soit appréhendé ou bien à se donner en pâture pour effectivement nous sortir de cette entrave luciférique. Il avait laissé le symbole de Pakounoula. Les images existent. Mes chers amis, quelle chance! Suivons d'abord ce cantique fondamental où Papa Simon Kimbangu nous explique bien comment il a voulu que eux, il leur a fait tenir le un quart. Mais Mbanza Longo et Nitu, il leur en a privé. Jérusalem nous a donné le sanctuaire sacré, cette cité de paix. Il est en train d'accomplir ses promesses. Toi, peuple noir, prépare-toi à te réjouir. Car c'est lui, le Mbungutulendo, le vrai divin, d'éternel éternité. Il vous est réapproprié ce qu'il avait caché. Voilà, il nous a donné tout. Il est en train d'accomplir ses promesses. Vous regardez cette image-là. Ici, on est en 1921. Regardez bien. 1921. Le Pakounoula, le colon, les impérialistes dont Papa Général a fait état ici. Ils sont venus occuper ce Nkamba-là pendant des années. Ils ont occupé ce territoire. Voyez-vous? Et Papa Simon qui manque de son amour majestueux, il savait, hein, sa divinité. Regardez. Regardez le Pakounoula qu'il avait laissé. Là, on est en Kamba, 1921. Le Pakounoula Pelekete. Et il dira, voilà. Voilà, regardez. Hein? Et il est revenu en Kamba. L'esprit de vérité. Je vous fais partager une petite image que nous avons ici dans les archives des médiatiques. Quand nous étions en séjour pendant nos 5 mois en Kamba. Regardons, apprécions. Apprécions. Nous aurons grâce. Voilà le Père divin, Père céleste. Voilà. Voilà. C'est lui le Père divin. Le créateur des cieux de la terre. L'esprit qui errait sous les eaux avant que la matière soit. Voilà. Voilà. Sa divinité. J'ai qui? Nous avons qui? Voilà, nous avons qui nous? J'ai qui? Nous avons qui nous? Nous on a le Père Céleste. J'ai. Écoutez bien. J'ai. Voilà. C'était donc une combinaison de médias qui. Suivons donc cet après-midi sur attentif à la Ratelki pour suivre les événements du Patrick Quaison tout à l'heure. Merci et à très bientôt.